La région de Koulikoro a une économie à vocation essentiellement agro-sylvopastorale. Les effets du changement climatique touchent lourdement les bases de cette économie et le mode de vie de la population. Une population qui manifeste faiblement une préoccupation par rapport aux conséquences de ce changement climatique. Les autorités régionales et locales, notamment les collectivités, les services techniques, les organisations de la société civile interviennent timidement dans la gestion des conséquences de ce changement climatique. C'est ainsi que le programme Enabel à travers l'IRC et la REFCA intervient depuis plus d'une année dans certaines parties de la région de Koulikoro en appuyant l'ONG World Agroforestry Center ICRAF dans le sens de la résilience de la population contre les effets du changement climatique. Cette intervention s'effectue dans le cercle de Djouila, notamment dans les localités de Wakoro et de Wolodo à travers un projet. Nous sommes le 11 novembre 2021. C'est un projet de collaboration dont l'objectif principal est de renforcer la capacité des acteurs locaux et de la société civile sur la thématique changement climatique et la promotion de l'agroforesterie ainsi que la promotion des fourrages, des cultures fourragères. Nous sommes ici au centre rural de Wakoro, intitulé Nafasoroso. Nafasoroso qui veut dire maison de développement rural. Le projet est axé sur plusieurs activités de l'agroforesterie et de l'autosuffisance alimentaire dans la perspective de lutte contre les effets néfastes liés au changement climatique. Et le centre de ressources rurales est bien. C'est une plateforme multifonctionnelle dont l'objectif principal est l'appui conseil agricole. Elle a plusieurs composantes dont la principale, le centre de formation. Et vous avez aussi des centres de démonstration des technologies agricoles climato-intelligentes surtout et de la production des fourrages. Nous avons une unité pour ça. Nous avons une unité de démonstration, je disais, et également une unité pour la production maraîchère, une unité pour la démonstration de ce qu'on appelle des technologies innovantes en agroforesterie, qu'on appelle les banques. C'est des banques qui représentent aussi des banques de gènes, là où nous transférons de la recherche au milieu rural, les découvertes de la recherche en matière de l'amélioration végétale. Le projet a démarré il y a plus d'une année. Il importe donc pour les acteurs du programme Enabel de l'ICRAF de toucher du doigt l'impact de l'intervention auprès des bénéficiaires finaux. Les visiteurs ont été surpris des résultats de l'intervention lors de cette mission. Ces résultats ont été d'abord visibles dans les champs d'expérimentation. Plusieurs variétés de cultures ont été mises à la disposition des producteurs bénéficiaires. Ici, nous avons mis en place les arbres pour qu'ils portent les gènes de la recherche améliorée. Pour les gènes qui sont améliorés, nous avons transféré ça. S'ils ont besoin d'une variété spécifique, ils vont venir juste cueillir les greffons, aller greffer pour avoir la même caractéristique que les greffons. Par exemple, il parlait de tamariné ici. Nous avons amené deux types de variétés. Nous avons des gros fruits, dont 3 à 4 fruits faits par un demi-kilo. Et tu as dit que tu as un kilo. 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 Tu as un kakon lu baro nye anye kala jaman soro ikalafuni inabel ka demefe ka ka yiri grefe kana barka yala no e bagambaloy anye nimbe si soro
anyu sene anfana nga furula ani nyoshiu munu me wati yalama deme la sauma noye suma shiwe kata shola tigao kana se biuma ani nyo anye ni me deme soro lance la jimi anyu formation ka pas anyu anga formation folo ko de do frente men intai depuis sandri ko ndola vraiment ay courage dama pour ganga se ka bara chamange quoi au niveau de la parcelle des fruitiers. Des fruitiers locaux améliorés. Une de ces espèces fruitières les plus connues, c'est le jujubier greffé, qu'on appelle le fruit maintenant la pomme du Sahel, parce que ça donne des gros fruits et c'est très précoce. Donc au niveau de cette parcelle fruitière, vous avez, et en plus du jujubier greffé, vous avez le tamarinier greffé et le baobab greffé. Mais et pour le moment, ils n'ont pas commencé à donner du fruit. Mais le tamarinier, en 2 ans, lui, va commencer à donner des fruits. Et le baobab, en 3 ans, lui aussi, va commencer à donner des fruits. Mais pour le jujubier, c'est extraordinaire. 3-6 mois déjà, lui commence à donner des fruits. Les bénéficiaires ont été satisfaits de l'impact de l'intervention de part et d'autre des deux centres. Nous sommes en train de récupérer sur 105 hectares ici. Donc ça, c'est une première bande. C'est divisé en 5 bandes. Bon, sur des sites là, il n'y avait pas l'eau, ne restait pas sur place. Il y avait beaucoup d'écoulement. Donc, on a essayé de compacter d'abord le sol avec le tracteur pour toujours faciliter l'infiltration. On a fait des diguettes et après cette diguette, on a cherché à la végétaliser. En faisant quoi? En mettant encore des ligneux, vous allez voir le glyricidia tout au long de la diguette. Vous allez voir d'autres espèces comme les jatropha, comme l'acacia sénégal. Vous voyez les jujubiers, ils ont commencé à donner des fruits. Donc vraiment, c'est très rentable. Vraiment, nous, on est très contents parce que ce travail-là, vraiment, ça a rémunéré beaucoup de choses. Donc, voilà la bande fourragère aussi qui est à côté. Les arbres fruitiers, vraiment, c'est très efficace. Vraiment, nous, on est très contents par les partenaires qui nous appuient dans plusieurs domaines. Bon, on n'a pas mal de mal, parce que nous n'avons pas mal de plaisir. Avec mon gros bois, c'est l'idée là. Parce que si on n'est pas en Afrique, on n'a pas mal de mal. Nous, nous, on a mal de mal, les mains courues, les coups, c'est l'anglais. Utin na fansoro bara foike o ni sababu ni mon na mo ko anga le mo fe bara ke bon ne bolo na fa ba de bala anga ne mede ma de kulu fo ale bi ku ko flana ka bara en to yiro anga ne mla ku e bara ya jesri ka sebeke ka bolo mo shiro. Plusieurs cas d'expérimentation ont été effectués devant les visiteurs. Les techniques de greffage du baobab, la technique de conservation de la culture fourragère ont été développés et les visiteurs ont été satisfaits de ces acquis. La visite des champs individuels a été également une étape clé de la mission dont une satisfaction a été exprimée par les bénéficiaires. On va faire mon barakaria. Bini unana damo ko bagamalo do. Anya kanu de. Kawi bagamalo gele mala. Odi ko sanye bini kanu. Ifana ni njija ka chama senana. Ni nga dumo ore mi senana bi se fo hectare kle klama. O bole ko wi shi fana ndamo no yi nyoye. Sobatim oui, nous sommes en train de faire un verre. Api bagafa abi nonobo e nga krengrenyana ne nda plado de bengono mo tsiga bagafa
n'a pas bagantan duro moi no bibulu et c'est quoi fa nga kerengere ya ni tika tro ko ni bibulu ibolu balu jamana sugo tu samya dunda fe ibika barake o ya na fado na woni yake ka shido ka ba sanjuli ibi baramina ni sangelengala ka shido ato barago ti kama na gamblu. L'intervention du projet n'est pas allée sans contrainte cependant. Nako jardin chico gelea bana ani jiko ali bi gelea bana jiko la ko sebe parce que ni moko na ne muso bi to green de la jinofe debi wa horo sigira ni nako e muso jekulu ye grillim nge ka dan nako e nga ama ken nako ko shila wa horo holo telema ka jaru ye ka se degre mino boni anana foko jin na dese o barakala o bolo wori kono gwa bana chere re re la formation go de bana sa na information sur ça abe moko chama courage di moy ka barake parce que be baram nge ni tanyiro na manya bule faru faka mais ni yanyiro abe courage di mo. Les autorités locales chargées du développement et du bien-être social de la population sont satisfaits des résultats. Celles-ci ont d'ailleurs formulé des recommandations. Bon anga ngoko na a yiri tete ka ka charbon anyoko en fait anyiro ka localité kono nani donc be ba ira ka fama ro ka fof do na taula ngoko na no na fama feuno ay nanya démocratie démonstration ni minu ke nyebala yiri dundo bala ntomu mala ntomu bala zira bala donc o ba ira ka fo anye be fendo dila na bana ku ngono dono amina feju enyira ndiuna na fam fam no mala fana ibaye na ko kono feno anye be gwa na anye be dunda salatu ni fenja mamea donc ibaye ka fo ni me na fay na tara du hono dongo do emi barake na ko kono emi ma barake na ko kono bebe beneficiala anga muso ti ta du shi kubita kata halit lif la ke ni sayate ay kara ka sababu ka du nya ka du muso be sabati ka e chalaski kamo bon ni ni tara nyefe ama fenno do fana ko banon baga numu ni no sabatira ambe shi fe ambe kam fe ambe mshi ra fana fe femi mana soro ka dama nga nga barake ni femi yokulu fana ke kan anneme ambu fana fe de. Ces résultats positifs doivent être accompagnés et soutenus par les autorités pour assurer la pérennisation de ces actions. Les effets du changement climatique se répandent et compromettent l'avenir. Toutes les forces doivent être réunies pour renverser rapidement la tendance de cette proportion du changement climatique.